Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Au sommaire de ce best-of, la précarité des travailleurs européens avec l'eurodéputée Sylvie Brunet et tout de suite la protection des animaux pendant le transport avec l'eurodéputée Caroline Roux. Zone Europe sur Sensation. Déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de cette commission d'enquête qui a été lancée, je la rappelle, en septembre dernier? Oui, en fait, en septembre, on a lancé cette commission d'enquête. Alors, c'était une demande sous l'ancien mandat à l'origine des Verts. L'objectif de cette enquête, justement, c'est de pouvoir vérifier les conditions de transport des animaux vivants et d'améliorer le texte. Parce qu'il existe une réglementation, il y a un règlement 1.2005 qui va devoir être revu et amélioré. Remis à l'heure du jour, on va dire. Pour cette législature. Il y a quelques mois, vous vous êtes rendu en Italie, vous étiez en compagnie d'ONG de protection animale, d'un vétérinaire et d'autres membres aussi de la commission, donc de cette commission, Thomas Wetz et la présidente Tilly Metz. Deux camions ont été contrôlés en provenance de Pologne et de Roumanie, donc des pays de l'Union européenne. Déjà, expliquez-moi comment est-ce que vous procédez, comment est-ce que vous avez repéré ces camions? Alors en fait, on a été invités par justement les ONG pour constater avec eux les conditions de transport. C'était pour la période de Pâques, hein, puisqu'on a regardé les transports d'agneaux et de moutons. Ils ont des points stratégiques. On se met au bord de l'autoroute pour voir les passages des camions. On suit les camions. On regarde s'il y a des infractions visuellement déjà. Et ensuite, il y a toute une procédure qui est appliquée. Alors, à bord de ces camions, vous avez retrouvé des moutons, des agneaux par centaines. Dans quelles conditions est-ce que vous avez pu constater qu'ils ont été transportés? Alors, en fait, sur ces camions, alors sur le premier camion, par exemple, on avait une infraction sur le temps de transport. Le premier camion avait 35 heures de transport sans s'arrêter. Sur l'autre camion, il y avait des tétines d'abreuvage pour les animaux qui n'étaient pas adaptés. Ils étaient adaptés aux cochons et non pas aux agneaux et aux moutons. On a vu des animaux qui étaient non sevrés. Et puis sur la réglementation 1.2005, il faut que l'animal puisse rester dans une position naturelle, c'est-à-dire debout, et qu'il ait un espace suffisant sur la tête pour pouvoir bouger. Et ce n'était pas le cas. Alors finalement, ces deux camions, ils ont pu être arrêtés pour une inspection. Alors comment cette dernière s'est déroulée? Comment est-ce que vous l'avez signalé? C'était quoi la procédure? Alors, en fait, comme je disais, donc les ONG nous ont appelés, ils ont un certain nombre d'informations. Donc on se met sur le bord de l'autoroute avec eux, sur des parkings. Quand le camion passe, on suit le camion à plusieurs voitures. Quand on voit qu'il y a une infraction, on appelle les services de police qui sont prévenus déjà en amont. J'avoue que la police italienne, elle a été assez réactive à ce niveau-là. Alors on a un problème, c'est un problème géographique. C'est-à-dire que dès qu'on suit le camion, si ça ne fait pas partie du secteur de la première police qu'on a appelée, il faut qu'on continue à suivre le camion. Donc ça peut durer une heure, deux heures à suivre le camion. La police arrive, se met sur le côté de l'autoroute, double le camion et fait arrêter le camion à la sortie d'une aire d'autoroute et on commence l'inspection. Ensuite, pour l'un des camions, celui qui était en provenance de Roumanie, vous avez trouvé donc à son bord 600 moutons et agneaux. Vous avez constaté différentes infractions, temps de transport trop long, dont vous avez parlé, système d'abreuvage défectueux. Quelles sont les sanctions prévues par la loi contre toutes ces bavures? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu, à part une amende, c'est tout ce qu'il y a eu. Et on ne peut pas laisser juste une amende au camion et laisser repartir le camion. Alors, comme je disais tout à l'heure, la police est venue, on a arrêté le camion. C'était assez bizarre parce qu'ils ont allumé les systèmes d'eau. Tout d'un coup, tous les animaux avaient à boire. Alors que ça faisait 35 heures qu'ils n'avaient pas bu. Sur un des camions, ça a été particulier parce qu'il y a des animaux qui avaient du mal à respirer. Il y a eu une inspection de police. Ils ont regardé les papiers administratifs, les papiers de transport. Après, ils ont regardé dans le camion. Quand ils ont vu qu'il y avait des animaux qui respiraient quasiment plus, ils ont appelé le service vétérinaire, qui est venu tout de suite. Et on a continué l'inspection avec eux. Mais en termes d'infraction, à part une amende, c'est tout ce qu'il y a. Et puis, le camion devait repartir parce qu'il restait 50 ou 100 km. Et il fallait qu'il reparte pour que les animaux arrivent à destination. Alors justement, pour l'instant, que des amendes. En termes de sanctions, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Moi, déjà, j'aimerais qu'on diminue le transport d'animaux vivants, qu'on privilégie l'abattage sur place et que, déjà, le temps de pause est important. Les durées de transport, c'est important. C'est tout ça qu'il faut revoir au niveau du texte. Et puis, il y a une aberration dans le texte, c'est que le temps de transport maritime est considéré comme un temps de repos.
avec les roulis sur les bateaux. Ce qui s'est passé dans le canal de Suez, c'est pas possible que ce soit un temps de repos. Donc, Un autre déplacement dans le cadre de cette commission, c'était à l'abattoir de Blancafort dans le Cher, en France. En fin d'année dernière, cet abattoir avait été pointé du doigt, notamment par l'association L214 et la préfecture pour ses pratiques envers les animaux. Vous y êtes allé en mars dernier, vous étiez accompagné alors donc, de l'association de protection animale, mais aussi d'un autre eurodéputé, Manuel Bompard. Vous avez notamment publié ensuite une vidéo sur votre site où on voit un camion arriver avec les volailles. Est-ce que les choses se sont améliorées pour les dindes et les dindons à la suite de cette vidéo? À la suite de cette vidéo, je dirais que non, puisque de décembre au moment où je suis allée sur place avec Manuel Bompard, on a constaté les mêmes choses au niveau du transport, c'est-à-dire les cages toujours aussi petites, les animaux même assis, ils n'avaient pas ils pouvaient pas se lever et même assis, ils n'avaient pas de place au-dessus. Les ailes dépassaient des cages, donc c'était absolument pas possible. Et en plus, on n'a pas pu voir l'abattoir, visiter l'abattoir, puisqu'on nous a refusé l'accès dans l'abattoir. On nous a dit non, c'est bon, tout est aux normes. Alors on vous a refusé l'accès. En tant qu'eurodéputé, en tant que membre de cette commission, quels sont vos pouvoirs? Jusqu'où vous pouvez aller pour enquêter? Par exemple, sur cet abattoir, j'y suis allée en tant que députée européenne, membre de la commission des transports, des transports d'animaux vivants. J'ai demandé à rentrer dans l'abattoir pour voir ce qui avait été mis aux normes, parce qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas aux normes. On nous a refusé l'accès. Je ne peux pas aller au-delà de ça. On nous a refusé de rencontrer le vétérinaire de la DDPP qui était sur place. Et on nous a dit, vous inquiétez pas, tout est aux normes. Ce qu'on a pu voir et constater, c'est les camions qui arrivaient, donc on était à l'extérieur. Donc voilà. Si on ne peut pas voir, on peut... Exactement. C'est pour ça que je fais pas mal de missions sur le terrain pour essayer, malgré tout, de certaines choses. Oui. Autre thème, la pêche, dont nous avions déjà reçu dans Zone Europe. Donc sur ce thème, puisque vous siégez au sein de la commission pêche du Parlement européen, la justice européenne a confirmé l'interdiction de la pêche électrique. Oui. La Cour de justice européenne a rejeté un recours des Pays-Bas qui voulait maintenir cette technique. La décision prendra effet à partir de juillet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire cette technique de pêche? Elle était très utilisée aux Pays-Bas, c'était une pratique courante, mais aussi, est-ce qu'elle est utilisée ailleurs? Elle était utilisée aussi en France. Alors moi, j'espère vivement qu'elle s'arrête au 1er juillet, parce que les textes, c'est une interdiction, donc il ne faut pas aller au-delà. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a pu octroyer des licences ou des dérogations de licences, et ça, c'est pas normal. Donc, ils n'ont pas obtenu gain de cause pour l'instant. Alors, la technique de pêche, c'est un chalut équipé d'électrodes qui émet, un champ électromagnétique. Du coup, tout ce qui est au fond remonte en surface avec cette onde de choc, on va dire. Le problème, c'est que il n'y a pas que les poissons qui remontent, il y a tout ce qui est animaux marins en général. Il n'y a pas de sélectivité, au niveau des juvéniles c'est pareil, et au sein de la biodiversité c'est désastreux. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'elle est jugée néfaste sur l'environnement? C'est pour cette raison. Cette interdiction de la pêche électrique, vous, c'est une décision que vous aviez, que vous saluez, votre combat depuis des années? C'est un combat depuis des années. Sur la mandature précédente, c'était Yannick Jadot qui s'occupait du combat de la pêche électrique. Je continue ce combat et je vais faire en sorte que ce combat s'arrête avec justement l'obtention de la fin de cette pêche électrique. Alors vous militez aussi pour un meilleur contrôle des pêches en général. Vous êtes exprimé en ce sens devant le Parlement. Le but, protéger les populations de poissons, mais aussi les inégalités envers les pêcheurs, c'est votre objectif? Oui, parce qu'il y a une injustice et une grande injustice entre la pêche industrielle et la petite pêche côtière. Sur la répartition des quotas, on dit oui, mais c'est les États membres qui gèrent les quotas au sein de chaque État. Le problème, c'est qu'il y a un article 17 qui répartit les quotas sur des critères environnementaux, sociaux, qui n'est pas appliqué. Et d'ailleurs, sur la problématique du thon, elle n'est pas appliquée notamment par la France. Quels sont les moyens aujourd'hui dont l'Union européenne dispose pour contrôler la pêche? Alors, déjà, il faut faire pression sur les États membres pour faire appliquer cet article 17. Et puis, on a obtenu une victoire il n'y a pas très longtemps sur le règlement de contrôle avec les VMS. On a des systèmes de vidéosurveillance sur des zones marines protégées où il y a un bip qui émet quand un bateau va sur une aire marine protégée, va pêcher dans une aire marine protégée. La vidéosurveillance, elle est sur les bateaux ou dans les ports? Sur les bateaux. Sur les bateaux, oui. Directement. Oui. Zone Europe sur Sensation. Bonjour Sylvie Brunet.
Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen et membre du groupe Renew Europe. Alors avec vous, c'est donc de l'emploi et des conditions de travail dont nous allons nous intéresser aujourd'hui avec vous. Il y a quelques mois, vous avez évoqué un phénomène croissant, celui de la pauvreté des travailleurs, en soulignant que la part des travailleurs européens exposés au risque de pauvreté était de 9,4% en 2018, soit plus d'un point par rapport à il y a 10 ans. Alors est-ce que vous pensez que la crise sanitaire va accélérer ce phénomène ? Écoutez, malheureusement, et même si dans le plan d'action pour mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux, il y a bien inscrit l'idée de diminuer le nombre de personnes en situation de grande pauvreté, malheureusement, compte tenu de cette crise sanitaire, tous les alerteurs sont en place pour dire que, ça, hélas, le nombre de personnes en situation de pauvreté augmente. Alors, on ne serait-ce que le phénomène des jeunes. On voit que sur 2020, le chômage des jeunes a déjà augmenté de 3% dans l'Union européenne en 2020, alors qu'on était plutôt sur des bons signaux. Et donc tout cela indique que les plus vulnérables vont effectivement être plus concernés par cette crise sanitaire dont on espère sortir le plus vite possible. Et que peut faire l'Europe sur cette question? Le plan de relance européen, est-ce qu'il va pouvoir atténuer les effets de la crise? Est-ce que c'est prévu pour? Alors oui, le plan de relance européen, heureusement, a pris en compte ce sujet social. Nous sommes d'ailleurs beaucoup intervenus sur le point. On a beaucoup insisté pour dire attention, on ne peut pas se contenter que de la relance économique, attention au social. Et donc, notamment dans le cadre de la négociation du cadre budgétaire 2021-2027 sur le FSE, le Fonds social européen plus a été augmenté. 3% vont être dédiés au minimum, là aussi il a fallu beaucoup se battre, à l'aide aux plus démunis, puisque le Fonds européen d'aide aux plus démunis est maintenant fondu dans le FSE+. Et dans le cadre de REACT-EU, hein, qui est une partie du plan de relance, vraiment dédiée à l'accompagnement de la crise et à la sortie de crise, il y a également un sujet social, des fonds dédiés aux plus jeunes, justement, qui sont les plus vulnérables, autour de la garantie jeunesse, d'un investissement dans les compétences, pour que tous les États membres aient un minimum de fonds dédiés aussi à la jeunesse. Donc ça a été pris en compte dans le plan de relance. Plusieurs études ont également montré que les travailleuses étaient plus touchées, avaient plus souffert de la crise que les travailleurs. Est-ce que c'est ce que vous avez également constaté ? Oui, globalement, on a eu beaucoup d'études là-dessus. Les femmes, là aussi, hein, c'est malheureusement un principe simple, les plus vulnérables sont les plus touchées et les femmes sont souvent dans des situations plus vulnérables, soit en situation de famille monoparentale, soit sur des secteurs plus exposés comme le soin, le service à la personne, où du coup elles ont été plus exposées à la maladie, à la pandémie. Aussi plus de femmes dans des emplois, disons du travail non décent, dissimulé, donc pas reconnu officiellement. On en a plus dans le cadre des gardes d'enfants, de la garde de personnes âgées, donc du coup qui se sont retrouvées plus exposées et sans travail. Mais aussi, on a eu tout le phénomène du télétravail, hein, je dis aussi, où les femmes ont été plus affectées parce qu'elles ont toujours plus de charges au niveau familial, notamment en termes de risques psychosociaux et de conditions de travail. Donc le Covid, oui, et je ne parle même pas des violences faites aux femmes, où chacun sait qu'on a eu une augmentation de 30% environ des violences faites aux femmes pendant cette crise sanitaire. La lutte donc pour l'égalité femmes-hommes, elle doit être encore plus renforcée. Aujourd'hui, il faut aller absolument encore plus loin. Absolument, et c'est d'ailleurs pour ça que, fort heureusement, nous travaillons sur au moins deux sujets. La directive qui vient d'être donc proposée sur la transparence des salaires pour lutter contre les écarts salariaux entre les femmes et les hommes en Europe. Donc ça va être un sujet très important pour qu'il y ait plus de transparence des rémunérations. Le salaire minimum, qui va concerner beaucoup de femmes aussi dans l'Union européenne, et bien évidemment aussi un plan pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc plus que jamais, bien sûr, qu'il faut renforcer nos actions en Europe pour réduire les écarts et les inégalités. Alors, autre thème, les conditions de travail dans le secteur de l'aviation, qui représente, arrêtez-moi si je me trompe, près de 6 millions d'emplois. C'est un secteur qui était déjà très concurrentiel avant la crise, et la crise sanitaire aujourd'hui n'a rien arrangé. Alors, en préparant cette émission, j'ai découvert qu'il existait pour le personnel
personnel navigant et même les pilotes des contrats de travail différents et très variés selon les pays européens, et que dans certains cas, certains personnels devaient même payer pour voler. Alors je voudrais que vous nous dressiez un petit peu l'état des lieux de ce secteur. Oui, alors c'est vrai que ce secteur, quand on regarde les emplois indirects, c'est près de 9,4 millions d'emplois hein, dans l'Union européenne. Bien sûr, tout cela en ce moment, on le sait, particulièrement affecté. Mais malgré des interventions multiples, notamment un règlement 2008 qui déjà demandait à ce qu'il y ait un statut du personnel navigant et donc dans le secteur de l'aviation, pour toutes ces raisons, mais aussi 2015, la Commission qui s'est réengagée à ce qu'il y ait un statut plus uniforme en Europe. Malgré tout ça, on a vu se multiplier ce qu'on appelle le pay to fly, donc c'est vraiment payer pour voler, où on se retrouve quasiment avec des personnels navigants qui doivent se payer eux-mêmes leur statut, si je puis dire, avec des statuts de travail indépendants dans certains cas, pas vraiment justifiés, beaucoup de différences d'un pays à l'autre. Et ce qui est important, c'est la notion de lieu principal d'activité. C'est ce qu'on doit regarder, nous, au niveau européen, pour dire de quel contrat de travail, de quel statut de travail il relève. Alors, on a eu effectivement ce phénomène avec beaucoup de jurisprudence. Les compagnies aériennes, certaines, essayant de trouver le meilleur statut possible et en rendant plus vulnérable ce personnel navigant. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet effectivement, le statut de ces personnes qui par définition bougent d'un pays à l'autre avec ce fameux pay to fly contre lequel il faut quand même se battre. Et vous donc justement en tant qu'eurodéputé, vous prenez quoi? Une harmonisation? Oui, moi je prône effectivement une harmonisation, une meilleure définition justement de ce que je disais, le lieu principal d'activité, la base de travail, au moins être sûr de ce qu'on met dans ce statut en se basant là-dessus, quel est le lieu hein, de départ où on passe le plus de temps, même si on est personnel navigant. Et puis c'est tout le sujet de l'Europe sociale et de cette fameuse mobilité, en ce moment un peu mise à mal, mais qui va repartir, où on ne doit pas voir se multiplier des statuts très différents d'un pays à l'autre, sinon les entreprises s'en saisissent et vont aller toujours à l'endroit où le statut leur est le plus favorable et le pas plus forcément avantageux. Et le plus avantageux et c'est pas forcément plus avantageux évidemment pour les travailleurs qui sont plus en situation de faiblesse. Autre secteur, la livraison. L'entreprise de livraison de repas Just Eat, concurrent donc d'Uber Eats et de Deliveroo, veut embaucher 4500 livreurs d'ici la fin de l'année. Mm-hmm. Pour vous, c'est une opération de communication ou ça va dans le bon sens? C'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est une opération de communication, hein, pour être très honnête. Après, c'est leur choix statutaire. C'est tout le débat en ce moment hein, sur les livreurs, puisque moi, je suis rapporteur sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, sur un rapport d'initiative, et qu'on va avoir sûrement une directive. On a tout un débat dans l'Union européenne, et même en France, hein, sur le statut qu'ils doivent avoir. Est-ce que ce sont des vrais travailleurs indépendants ou pas? Alors, dans un certain nombre de cas et de critères, notamment pour la livraison, on va peut-être pouvoir analyser qu'ils sont en fait salariés. Maintenant, est-ce qu'il faut le systématiser? On va voir si on arrive à des bons critères. Just Eat, on nous les cite souvent. D'abord, j'attends de voir combien de personnes ils vont exactement recruter. Est-ce que ça va convenir ou pas? On verra bien. Mais il est vrai que dans un certain nombre de situations, c'est des faux travailleurs indépendants. Donc, à partir du moment où ils ne sont pas bien rémunérés par rapport à leur travail, pas protégés en termes de maladie et d'accident du travail, ils devraient être plutôt en relation de travail et salariés. Et donc, c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens si on arrive à ça. Alors, vous n'êtes pas naturellement contre les plateformes, les entrepreneurs. Ouais. C'est juste que vous voulez éviter certaines dérives. Donc, il y a un besoin d'encadrer. Quelles sont les pistes aujourd'hui sur lesquelles vous travaillez pour justement cet encadrement? Alors, les pistes sur lesquelles on travaille, c'est d'abord de regarder quel est le minimum de protection sociale et de droits qu'ils doivent avoir. Ça, c'est la première chose importante. Deuxièmement, pour que tout ça s'améliore et qu'il y ait bien ce minimum, qu'on soit travailleur indépendant ou qu'on soit salarié, on doit avoir cette protection.
il y a la négociation collective. Et donc, dans les pistes, il faut ouvrir la possibilité de discuter de ces conditions de travail aux travailleurs indépendants, ce que les règles de la concurrence en Union européenne ne permettent pas de faire. Parce qu'un travailleur indépendant, même un chauffeur en VTC, il est assimilé à une entreprise. Donc, il ne peut pas discuter avec les autres sur ses conditions de travail, les conditions de FISE que vont lui donner les plateformes. Et donc ça, déjà, il faut qu'on y remédie. D'ailleurs, en France, on est en train de le faire. Et troisièmement, une meilleure protection vis-à-vis des logiciels, des algorithmes. Parce que quelquefois, il y a des changements dans les algorithmes sur leur temps de travail, sur leurs conditions de travail. Ils ne sont pas vraiment informés. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, comment ça va interagir sur leur activité. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Mais définir cette protection sociale, qu'ils doivent tous avoir, et déjà, ça va dans le sens des travaux antérieurs, du Conseil et de l'Europe de manière générale. Pas besoin de passeport ni de valise pour voyager. Je vous invite à présent à un voyage culinaire. Zone Europe, voyage. Moi, je vais vous présenter les Rindarouladen, on peut dire aussi Rindsrouladen, où il s'agit donc des escalopes de bœuf avec une farce à la moutarde, oignons, cornichons et du lard enroulé qui sera cuit en braisé, servi avec des spätzle maison au beurre et du chou rouge. En Allemagne, c'est simple. Vous allez chez le boucher, vous demandez des Rouladen, vous auriez des tranches troupes préfaites. On est en France, donc ça sera un peu compliqué de demander aux bouchers français de nous couper des escalopes de bœuf. Donc c'est ce qu'on a fait là, on a une fois pris du paleron, on a découpé une belle escalope, mais on va aussi faire l'essai avec des rump steaks qu'on a légèrement aplatis. Légèrement, puisqu'il ne faut pas non plus détruire la structure du bœuf. Donc les Rindarouladen, on va les tartiner avec la moutarde, c'est la moutarde allemande, donc du Tafelsenf, qui est moins fort que la dijonnaise, mais pas aussi sucrée que l'américaine non plus. Ou on peut être bien généreux. Ensuite, on va mettre des oignons. Moi, j'aime bien les oignons, donc je suis généreux. Évidemment, vous pouvez en mettre moins aussi. Vous pouvez aussi mettre des rondelles. Moi, j'aime bien des petites brumes. Ensuite, des Gewürzgurken, des cornichons. Rien à voir avec les petits cornichons en France. Bien croquant, le cornichon allemand. La Gewürzgurke. Donc là, j'ai mis les cornichons en longueur de l'escalope. Et on va l'enrouler avec son lard. Voilà. Nous avons donc enroulé nos rouladen, puis on les a ficelés. Maintenant, une fois qu'ils sont ficelés, on va les saisir. On va mettre le beurre dans la marmite. Et on va attendre que le beurre il fonde. On va faire attention que le beurre ne rince pas, parce qu'on travaille avec du gaz. Donc ça peut aller très 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 vite. Et on va donc les mettre dedans pour les saisir. Donc là, ça a assez saisi, donc on va baisser le feu déjà. Et maintenant, on va sortir nos roulades qui ont légèrement saisi. Et maintenant, on va commencer à mettre tous nos légumes. Je les ai quand même épluchés. Pour la taille de la casserole, on va couper légèrement. Mais là, les carottes et les oignons, c'est bon en entier. Et les oignons. Et maintenant, on va y ajouter de l'ail, du thym,
du laurier et du romarin. On va mettre 2 cuillères à café de miel, un chouïa de vin blanc, une noix de muscat, un peu de paprika, du poivre, du sel et on finit au vin rouge. Et pour finir, on met de l'eau parce qu'on veut à la fin quand même avoir beaucoup de sauce parce qu'il nous faut beaucoup de sauce. Et là, on a fait un très joli fond avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'ingrédients. Un bon petit fond qu'on va maintenant allonger à l'eau et puis on va remettre les roues là-dedans et puis faire cuire pendant 1h30, 2h à feu doux dans notre marmite. Je vous souhaite un très bon appétit avec un des plats typiques allemands le plus connu, apprécié par moi, ma grand-mère, mais aussi par Angela Merkel. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation, mais également sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.